Salut, Dani. Salut. J'approche de l'hôtel. Ces trois enfoirés vont pas tarder à crever comme des merdes. Parfait. Wow! Chers soldats, je suis fier d'être votre valeureux chef. Le terroriste Carlos Montero est mort. Merde, une caméra. Cette grande victoire, vous êtes tous temporairement dispensés de vos devoirs et obligations. Profitez du sniper en poste. Après la mort de Carlos Montero, vous avez fait preuve d'un courage et d'une loyauté formidables, et vous êtes montré digne de mon respect. Ce complexe est mon cadeau en retour. J'espère que vous saurez profiter de cet honneur et que vous y passerez agréablement. Encore toutes mes félicitations pour cette incroyable réussite historique. À tout le personnel militaire, ici votre lion. Il me faut une vie dégagée. Attention, à Coco. C'est bizarre. Ça, c'est pour Carlos, sale merde. Espada, un de moins. Mais les autres sont pas là. Les ordures. Va voir dans l'hôtel, histoire de retrouver leur piste. Je veux les enterrer, Dani. Un par un. Ok, je suis tranquille. On dirait qu'il est à son ranch. C'est le moment de régler leur compte à ces enfoirés. Yeah! Ah!
Ring. Hé, t'as trouvé les lieutenants? Pas encore, mais je crois savoir où ils sont. Bien. Faut pas rester. Va leur faire la peau. J'ai une question. Vas-y. T'as déjà perdu quelqu'un? Pas drôle comme question. Réponds juste à la question. Oui, c'est pas là. J'ai perdu des gens. Des amis. Des vrais amis. Castillo les a tous tués. Ça fait toujours mal, hein? Repose-moi la question quand tout sera fini. Ouais. D'accord. Un fil de détente. J'aimerais la signaler, Monsieur le Président. Il y a tant de manières pour un vrai Yaran de servir. Être fort, méfiant, avoir une grande vigilance. Voilà sans doute les plus grandes qualités. Rien ne m'échappe. Il n'est pas censé être là. La voilà. Ça, c'est pour Carlos. Hé, j'ai du nouveau. Ok. J'ai liquidé la pétasse qu'aimait bien se la couler douce au spa. Elle avait des goûts particuliers. Bien, on débarras. Faut me couvrir! Merde, un camion!
des recrues à former? Connu, ils savent pas tirer droit. Je devrais les envoyer dans la même école que toi. Ah, tout ce que j'y ai appris, c'est à nettoyer les chiottes et à dire « si, señor ». Ça va aller, t'es une bonne prof. Je sais pas. T'es la meilleure guerrière de l'Ouest. Ils t'admirent. Sers-toi de ça. T'en dis des conneries, Horace. Je sais. Mort, enfoiré. Espada, c'est fait. Vraiment? Si, ils sont morts. Sans exception. Danny, je sais pas comment te remercier. Tu as vengé papa. C'est plus que ça. On a forcé Rosé à sortir de sa cachette. On a montré à cette sale merde qu'on plaisait pas. T'as raison, putain. Danny, gracias. Laisse utiliser leur camp. Pas gratuitement. Il paraît que Libertad leur paie un loyer. Viens là.
Ouais. On arrête les canards, mais promis. C'est pour ça qu'il... Bon, si on veut que ces vieilles têtes de mule aident Libertad, on a besoin de Lucky et de Lorenzo. Alors voilà ce qu'on va faire. Depuis qu'Anton se passionne pour la lutte contre le cancer et la fabrication de Viviro, Lucky n'arrive plus à trouver de fourniture pour sa clinique. Alors, j'ai soudoyé un pilote pour qu'il en amène. Quand on les aura, il suffira de dire à Lucky que c'est un cadeau de Libertad. Et hop, on sera copains. Le plan parfait, non? Enfin, ça l'aurait été si un hijo de puta avait pas abattu mon hélicoptère. Récupère ces fournitures avant qu'on nous les pique, bébé tigre. N'oublie pas les trois règles des guerrieros. Toujours en mouvement, toujours sur tes gardes, et tue toujours ton ennemi avant qu'il ne te tue. Fourniture médicale. Je suis dessus. Remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que demain peut vite devenir hier. Et après, c'est trop tard. Tu devrais peut-être faire une petite sieste. C'est sûrement le largage. Quel merdier. C'est beaucoup trop simple. Tu fais quoi, là? Vous êtes qui? On est la morale. Et LST est notre territoire. Notre territoire, nos marchandises. Ton discours, tu l'as répété? Ouais. C'est la propriété de Libertad. Ah, Libertad. Vous venez nous réclamer de l'aide? Je m'y attendais. On devrait combattre Castillo ensemble. Je suis Run-Run, commandante en second. Bien joué. Je suis Danny. Danny Rojas. Des renforts. Là-bas, près de l'hélico. C'est parti.
D'accord. Ils étaient plus nombreux, mais ça suffit pas! On dirait que c'est bon. Amène-toi, Danny. Beau boulot. T'as du talent, Libertad. Mais Yelena a besoin de ça. On a des blessés. Yelena est ton boss? Ouais, et elle va me botter le cul si je me coince les mains vides. Et Clara va me botter le mien si je rapporte pas ça aux légendes. Libertad veut les légendes de 67. La moitié de Yara les croit morts. Oh, ils sont bien vivants. Et la moitié de la morale ne leur fait pas confiance. Mais j'ai étudié l'histoire. Ils ont payé de leur sang pour exterminer le père d'Anton. Et tu sais quoi? Si tu me laisses ce matos, je te les présente. Ah, putain, Yelena va m'étriper. Mais au moins, j'aurai rencontré les légendes avant ça. Bon, Danny, trouve-nous un hélico. Et on parlera affaires. Bienvenue à la morale. Libertad. Si tu veux. L'un de nos soldats est l'un des plus grands. Ils ont un hélico? Parce que t'iras pas loin tant que ce putain de canon anti-aérien est actif. Kimama nous rejoindra pas. Dommage. Il paraît que c'est... L'aérien est interdit.
Pitié. Je savais que quelqu'un viendrait. Tu as le matériel. Oh putain, El Tigre, le point de la révolution. Vous devez signer mon froc. Comment se llama, señorita? Ron Ron. Ah. Je suis de la morale. Oh. La morale? Des terroristes. Ron Ron, je te présente. Oh, je sais très bien qui c'est. Et je crois que c'est Guerrilleros, le mot qu'il cherche. Je sais ce que je dis. Vous n'êtes qu'un vulgaire gang. Ben nous, au moins, on se cache pas dans les montagnes pendant que le monde s'effondre. Vous avez vu ce qui se passe en bas? Allez visiter un complexe de Biovida. Allez, faites-le. Les légendes ne reçoivent pas d'ordre d'anarchiste. Compris? Arrête, Lorenzo. Non, vous savez quoi? Niquez-vous. La morale garde le matos, grand-père. C'est notre évolution, pas la vôtre. Un fermier innocent s'est pris une balle perdue aujourd'hui. Il est touché à l'abdomen. Sans ce matériel, il n'a aucune chance de survivre. Lucky Mama. Beaucoup de balles que j'extrais proviennent de la morale. Il y a une différence entre jouer avec des armes et faire la révolution. El Tigre. Si. Ils aiment donner des leçons. Si ces débris veulent se planquer dans leur musée, tant pis pour eux. On s'en fout. Mais je vais leur prendre des souvenirs. Viens me parler quand tu pourras. Salut, Lucky. Je sais ce qu'on va faire. La plupart des légendes refusent.